Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominique Univers Crypto. Nous sommes le 14 juillet 2023, déjà une journée bien entamée. On fait deux vidéos, une le matin, une le soir, toujours pareil pour notre écosystème, pour faire le point un petit peu. Je vous donne un maximum d'informations en un minimum de temps. On parle de tout ce qui se passe dans notre écosystème, donc automatiquement on parle toujours un petit peu de politique, des entreprises évidemment, de la régulation, des régulateurs. C'est le gros truc dans notre écosystème actuellement, hein, et ainsi de tout ce qu'il faut savoir dans notre écosystème. Vous pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est la première fois que vous venez chez moi. Sinon, vous êtes les bienvenus en tout cas, et ceux qui sont là depuis longtemps, bah, merci mille fois de me suivre. Pensez à cliquer sur le pouce, ça me permet de savoir que vous aimez bien mon contenu et ça m'encourage évidemment, vous l'avez compris, sur les réseaux sociaux. BTC 30867, le TH 1969, depuis ce matin, bon, on était arrivé quand même à 2000, on était content, hein, mais voilà, on a rebougé un petit peu, le marché rebouge un petit peu, un tout petit peu, hein, on a fait un petit bond là, on a eu le XRP qui nous a redonné un peu du baume au cœur, mais là en 24 heures, on a le Bitcoin qui fait du 0,86 en moins, l'Ethereum qui est redescendu un peu aussi, le BNP, le XRP qui est redescendu un petit peu à 0,85, mais qui a fait quand même sur les 7 jours, 7 heures, sur les 2-3 jours là qui viennent de passer, évidemment, on l'a compris, du 54%, donc c'est pas mal, hein. Il y en a pas mal qui ont performé quand même, et il y a le SNX qui est toujours à 34,33%, le ING, le Injective, 11,69, voilà, hein, hier on a pas mal qui sont explosés, on sait bien que quand c'est comme ça, ça redescend un tout petit peu après, c'est pour ça que je vous dis à longueur de temps, prenez des bénéfices mes amis, c'est important, hein, vos cryptos vous apprenez, hein, justement, c'est pour ça qu'on fait des vidéos sur les graphiques, je vous apprends un peu à être trader si vous avez envie d'être trader un jour, mais sinon simplement, je vous apprends simplement à lire les graphiques pour savoir où on se positionne, où on se retire et on re-rentre après, ça ne veut pas dire qu'on disparaît, mais on prend des bénéfices, c'est important, hein, plus vous prenez des bénéfices, plus vous pouvez avoir de votre actif risqué, chéri, vous pouvez en avoir un plus grand nombre, c'est tout, c'est juste fait pour ça. Guerre en Ukraine, c'est toujours là, on en parle en longueur de temps. Des news, évidemment qu'on suit ça. Les news, évidemment, vous l'aurez bien compris que c'est pas si simple que ça, parce que c'est pas parce que je vais vous faire du blabla que vous allez comprendre quelque chose. Il faut du temps pour ça, mes amis, hein. Donc le but, c'est ça, on en parle entre nous, sinon après. Et sinon, vous lisez quand même les articles et tout doucement, ça va vous arranger un petit peu. Comment vous arrangez quoi, je ne sais pas quoi, si la compréhension, quoi, tout simplement, vous l'avez bien compris, hein, parce que sinon, quand on lit tout ça, le sentiment des consommateurs de l'Université de Michigan pour les États-Unis a augmenté pour une deuxième mois de 72,6% en juillet 2023, le niveau le plus élevé depuis septembre 2021, et bien au-dessus des prévisions de 65,5%. Alors quand on lit ça, on se dit, putain, c'est extraordinaire, ça y est, c'est parti, on va exploser. Non. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne non plus, hein. Et moi, justement, j'essaye de vous apprendre tout ça tout doucement, en vous disant toujours aussi, méfiez-vous, c'est pas parce que vous lisez des annonces qui vous paraissent d'un seul coup extraordinaires, puisque comme on a fait mieux qu'il y a quelques temps, maintenant, ça y est, c'est parti, on va s'exploser. Non, souvent, ce n'est pas du tout comme ça, et on refait de retracement, on retrace, on repart, ou d'un seul coup, 3 jours après, il y a une autre news. Donc, on doit pouvoir apprendre, justement, à digérer tout ça, à les comprendre, et comprendre ce qui va être beaucoup plus important, intéressant pour vous que certaines news, que d'autres news auxquelles on peut complètement passer, hein. Et c'est pour ça que je vous dis, faites attention surtout, suivez les news américaines, suivez le NSN, le Nasdaq à la limite, hein, suivez l'or aussi, suivez le S&P 500, même on n'est pas toujours corrélé, hein, vous voyez, ça se passe pas toujours pareil, mais on suit l'ambiance générale et on essaye de se faire une petite salade avec tout ça et d'essayer de comprendre un petit peu le système. Là, on voit bien qu'en une heure de temps, on a le BTC1, hein, qui est redescendu. Si on va chercher sur les spots, là on est sur les BTC encore, on va bien trouver le spot quelque part, on y est ici, là aussi pareil, hein, on redescend un petit peu, donc voilà, et l'Ether, qu'est-ce qu'il fait? Bah, l'Ether, il suit un petit peu la manœuvre, on va voir en une heure de temps exactement pour voir un petit peu comment ça se passe, et on voit bien que ça suit à peu près la même chose si on met les deux l'un à côté de l'autre, hein. Voilà, allez, j'enlève les Shimoku sur les deux pour regarder, et on est toujours en train de travailler sur une zone, on est parti sur le BTC, on est parti sur les 32 000, c'est génial, et le TH, on a atteint les 2 000, donc on est vachement content, hein, mais bon, on fait un petit retracement, et encore, on est encore dans une période où il faut vraiment, vraiment se méfier, je vous l'ai déjà fait voir. Évidemment qu'on a des petits indicateurs qui nous disent que ça va de mieux en mieux, comme là on fait de plus en plus haut, hein, on fait des bas de plus en plus haut, et voilà, et sur le TH c'est pareil, hein, des hauts de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut, et puis d'un seul coup, boum, on perce vers le haut pour revenir, mais on est venu récupérer une tonne de liquidités qu'on avait à récupérer
sur le haut et maintenant on retrace un peu en bas. Donc on va voir où ça va s'arrêter. Est-ce que ça va continuer à descendre un peu vers le sud pour les récupérer plus bas ou que ça va remonter. Mais comme je vous disais, le BTC c'est 32 000 qui m'intéresse. Le reste je m'en fous complètement. C'est les 32 000 qui m'intéressent et passer les 32 000 et aller justement travailler un petit peu au-dessus avant de pouvoir s'éclater un peu vers le nord. Pour l'instant, on est sur une période de range où les traders connaissent très très bien ça, où on vient chercher des liquidités. La semaine prochaine, il y aura plein d'annonces, évidemment, le 17 juillet, hein, vous allez trouver partout les différentes annonces qu'il y aura encore plus ou moins importantes, évidemment, dans notre écosystème. Allez, j'avance, on est là pour voir un petit peu ce qui se passe dans les news. L'Indonésie va lancer son propre échange de crypto-monnaie en juillet, on a déjà parlé, donc ça, on attend que ça se fasse. Et bon, c'est toujours bonne news, à partir du moment où on parle de nous, c'est toujours bonne news, à partir du moment où les pays, les États, etc., s'intéressent à la crypto et sont dans le sens où des entreprises avancent, des entreprises sont acceptées, ça peut aller que bien pour nous. Donc c'est pour ça que je regarde toutes ces infos. Évidemment, la victime d'une escroquerie crypto à Hong Kong a perdu 128 000 dollars après avoir visité un faux magasin. Soyez prudents, mes amis, hein, parce que je vous jure que quand on lit des annonces comme ça, maintenant c'est jamais que des articles, on n'a peut-être pas tout à 100%, etc. Mais quand on lit des annonces comme ça, on dit, mais les gens sont barges, quoi. Ils vont aller, apparemment, là, ils vont dans une boutique, fausse boutique, acheter de la crypto, alors que vous ne pouvez pas le faire avec votre téléphone, tout simplement. Enfin bon, passons. Ils font là, ils peuvent pas le faire autrement, ils vont là et ils prennent des billets qui sont faux, ils vérifient même pas les billets qu'ils ont, quoi. Enfin bon, ça me paraît un peu du délire tout ça, c'est pour ça que j'en parle un peu, ça fait partie des news. Moi je lis une tonne de news, vous n'avez pas besoin de faire ça, je vous mâche le travail et je vous dis tout ce qui est important et je vous laisse dans les commentaires tous les liens, comme ça vous pouvez creuser un peu plus ça, si, parce que nous on n'a pas le temps de tout voir en 15 minutes, hein. Évidemment, PDG en prison et 220 millions de dollars envolés, Multichain ferme soudainement ses portes, bon, ben voilà, on en a parlé. Là, vous avez Cryptos qui vous fait un article qui est intéressant parce que ça va vous redonner quelques petites infos, évidemment, hein, on en a parlé X fois, ainsi qu'après s'être fait discrètement à bon moment, les équipes de Multichain se sont exprimées sur Twitter le 14 juillet, donc aujourd'hui, afin de faire un point sur la situation, il s'avérerait finalement que Zhao Zhong a bien été arrêté par les autorités chinoises à son domicile le 21 mai, qui lui ont également confisqué tout son matériel informatique. Nous apprenons par ailleurs que le PDG de Multichain est le seul détenteur des clés donnant accès au fonds opérationnel du protocole, en plus des accès au serveur. Enfin voilà, escroquerie. On attend de voir un petit peu la suite de tout ça, évidemment. La SEC reconnaît le dépôt de l'ETF Bitcoin Spot de Bitwise. Bon, bah ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Hein. C'est très, très bien. À venir, hein, après BlackRock, évidemment, on a BlackRock qui a balancé les dés, comme on dit. Hein. Évidemment que derrière ça, il y a tout le reste qui va suivre. Même les entreprises qui ont déjà fait des demandes il y a X temps, hein, évidemment, reviennent à l'attaque avec tout ça. Hein, et voilà, et c'est bien. Coinbase voit l'hiver crypto dégelé après la victoire légale partielle de Ripple. Oui, victoire légale partielle, attention, hein, de Ripple. Donc, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais on attend, hein, parce qu'il va y avoir encore procédure et tout ça n'est pas terminé. Mais pour l'instant, on a bien vu que ça donnait le sourire à notre écosystème. Donc, c'est hyper important, évidemment. On a bien vu avec un Ripple qui a explosé. Hein, et donc, avec d'autres cryptos qui ont explosé en même temps pour redescendre légèrement. On va suivre tout ça, évidemment, jour après jour, ces jours-ci. Même si c'est les vacances où parfois, je ne vous ferai pas de vidéo parce que je serai coincé. Vous savez, quand on se retrouve en bateau, en pleine mer ou un truc comme ça, on peut pas faire de vidéo, malheureusement, c'est un peu compliqué, hein, ou alors en haute montagne, machin. Bon, moi, c'est plutôt la mer, hein, mes amis, hein. J'aime le soleil, la mer, et donc, voilà, il y a des jours où ça va coincer, je pourrais pas vous faire des vidéos, faudra pas m'en vouloir, mais j'essaierai de faire ce que je peux, et voilà, peut-être pas toujours ma tête, parce que avec simplement un ordinateur comme ça, ça va être compliqué, avec les reflets, avec tout ça, c'est ça un peu l'histoire, mais on continue à s'informer, puisque tous les jours, même en vacances, je vais continuer à m'informer sur tout ce qui se passe dans notre écosystème. Le volume des échanges de crypto en baisse de 23% au deuxième trimestre, alors que la domination de bilance diminue, bah bilance, on a bien compris, il y a beaucoup de problèmes encore à longueur de temps. Encore une fois, on suit tout ça, on est là, Binance n'est pas mort encore, hein, évidemment, hein, on voit bien qu'il a la guerre un peu partout, avec les banques, avec les États, avec les États-Unis, enfin bon, c'est compliqué pour lui, hein, mais encore une fois, il est toujours là, il est toujours debout et tout, et donc on a un marché qui a baissé un peu, on l'a vu, mais bon, c'est pas bien grave. Binance a licencié plus de 1000 employés ces dernières semaines, hein. Évidemment, Binance, le plus grand échange de crypto-monnaies au monde, a licencié plus de 1000 employés ces dernières semaines, a rapporté Wall Street Journal, citant une source. Binance pourrait continuer
continuer à licencier. Il faut faire attention, hein, citant une source, il y a des fois, Binance pourrait continuer à licencier plus de personnes. Licenciement potentiel, plus d'un tiers de son personnel, a déclaré la personne. Plus tôt ce mois-ci, le directeur de la stratégie Binance, Patrick Hillman, a confirmé qu'il quittait l'entreprise, affirmant qu'il le faisait en bon terme. Fortune avait signalé que lui ainsi que d'autres cadres supérieurs quittaient l'entreprise. Voilà, c'est chaud pour Binance, mais encore une fois, moi j'essaie d'y croire un peu en me disant que bon, ils ont des torts, ils sont pas dans la légalité, mais c'est pas parfois que vous n'êtes pas dans la légalité, vous êtes un bandit. Rien à voir avec FTX qui était vraiment un bandit, quoi, hein, qui a profité un peu de tout ça et qui a réussi à manipuler tout le monde. Et comme maintenant, tout le monde a tellement peur de se faire manipuler comme pour FTX, que les mecs sont 10 fois plus durs qu'avant, on aura compris. Hein. Et voilà, et effectivement, Binance a dû faire des erreurs, des grosses erreurs même, c'est sûr. Mais je crois qu'il va payer des amendes, etc., etc. Sauf si les news hyper mauvaises, si on fait faute contre lui, si vraiment tout s'acharne contre lui, parce que quand vous avez vos clients qui vous quittent, évidemment que là, d'un seul coup, ça peut devenir terrible, hein, même si vous n'êtes pas le dernier des bandits au monde, vraiment, ça peut devenir terrible. Donc, on suit tout ça de très très près, évidemment, on prend ses précautions, on ne fait pas n'importe quoi, on ne va pas aller mettre ses billes dans un truc qui tremble actuellement, c'est pas la peine, hein, c'est pas la peine de chercher des risques pour rien, on reste justement sur des positions assez sûres dans l'écosystème. Synthetix construit une plateforme de trading perpétuelle pour rivaliser avec les SEX. Synthetix, un protocole pour les actifs synthétiques décentralisés, prévoit de lancer Infinex, une plateforme de négociation de contrats perpétuels dans le but de rivaliser directement avec les échanges centralisés. Ben, pourquoi pas, on verra bien. Le fondateur de Synthetix, Clay Warkwix, a noté dans un article de blog qu'Infinex souhaite relever les défis généralement associés au SEX dans le but de fournir l'efficacité d'une plateforme centralisée sans sacrifier la sécurité. Évidemment, hein, mais bon, les plateformes centralisées normalement sont relativement plus sécurisées que les plateformes décentralisées. Attention, hein, là, faire attention à tout ça. Quand même, hein, Philippe Pierre permettra les transactions sur Optimist, le réseau Ethereum Layer 2. La plateforme fonctionnera aux côtés de Synthetix qui dispose de près de 500 millions de dollars de dépôts verrouillés sur le protocole. Ça, c'est déjà une bonne chose. Encore une fois, quand on rentre des entreprises, on va bien les étudier. Hein. Moi, si je vais rentrer sur quelque chose comme ça, je vais aller bien étudier tout de A à Z pour voir un petit peu si je dois mettre mes billes ou pas, évidemment. Et vous devez faire la même chose. Un trader qui a perdu plus de 90% de sa valeur nette sur FTX lève 450 000 dollars pour un nouveau fonds. Voilà. Bon, bah ça, écoutez, je ne vais pas l'éplucher plus que ça. Vous lisez tout ça, mais attention. Attention à ce qu'on fait, attention aux messebilles, attention aux gens qui ont déjà mouillé beaucoup d'argent, qui ont perdu beaucoup d'argent et qu'on fait perdre surtout les autres. Hein. Attention, hein, on se méfie à ça. Donc je ne vais pas commenter plus ça, mais vous savez que ça existe, vous allez voir ça de près évidemment. Figma s'associe à Nexus Mutuel pour améliorer la couverture de réduction d'Ethereum. Voilà, une plateforme d'infrastructure de jalonnement. Figma et la fournisseur de protection cryptographique Nexus Mutuel ont uni leurs forces pour offrir aux clients de Figma une protection supplémentaire contre les risques de réduction des validateurs dans le lancement de ETH slashing cover. Évidemment, pour les débutants, ça va vous paraître un peu de l'hébreu. Hein. Le produit vise à fournir une couverture complète contre les risques de double signature du validateur, très important, selon un communiqué de Nexus Mutuel. Ces risques font référence aux sanctions potentielles auxquelles les validateurs Ethereum peuvent être confrontés pour avoir adopté un comportement malveillant, en particulier à signer des blocs ou des messages en conflit. Le slashing peut entraîner la perte d'une partie ou la totalité des actions jalonnées au validateur et avoir un impact sur sa réputation sur le réseau. Allez, on va recreuser ça dans une autre vidéo, je pense, et ensemble. C'est assez important dans l'écosystème, ça. J'avance. Multiverse X introduit la 2FA en chaîne pour lutter contre le vol et les escroqueries. Bon, bah ça, on va pas être contre. Hein. Le 2FA, c'est une désécurité, justement, hein, pour pouvoir se protéger éventuellement contre toute une escroquerie. Donc, voilà. Bravo. Tout ça, ce sont des entreprises hein, qu'on suit, hein, parce que toutes ces entreprises derrière, il y a souvent des cryptos, il y a souvent des investissements qu'on peut faire. Donc, il faut savoir un petit peu comment elles avancent et comment elles se protègent. Comment elles font des bénéfices aussi, hein, comment elles font des pertes, enfin, savoir si les pertes qu'elles font, c'est parce qu'une entreprise va toujours à un moment donné faire 2-3 pertes, c'est pas grave ça. Hein. Ça ne veut pas dire qu'une entreprise qui perd un peu d'argent est complètement nulle. Hein. Parfois, il faut se méfier des entreprises qui gagnent trop vite de l'argent parce que justement, le bilan au bout d'X temps, c'est que d'un seul coup, ils reperdent aussitôt, aussi vite, même beaucoup plus vite, la descente est beaucoup plus rapide que la montée en règle générale. Donc on fait très attention. Mutiny lance un portefeuille d'éclairage prêt pour la normie en évitant Apple et les magasins d'applications Google. Alors ça,
Multini Wallet, un portefeuille Lightning auto-dépositaire opérant sur le web a atteint sa phase bêta publique, aidant les utilisateurs à contrôler leurs propres fonds sans compter sur les téléchargements d'Apple ou de Google Apple Store. Les exigences strictes des magasins d'applications signifient que le nombre de portefeuilles Bitcoin sont dépourvus en fonctionnalités telles que le pourboire des utilisateurs ou le paiement de contenu numérique, a déclaré Multini dans un article de blog hier, affirmant rendre le Bitcoin plus accessible aux 5 milliards d'internautes mondiaux ayant accès au navigateur web. Bon, allez, on approfondit tout ça. Évidemment, vous l'aurez bien compris, vous pouvez me retrouver aussi sur Spotify, où je publie ces vidéos-là, où on a juste à les écouter, donc j'essaye de les faire maintenant de manière de sorte à ce qui est juste à besoin d'écouter et pas besoin d'avoir les articles sous les yeux. Voilà mes amis, faites attention à vous, encore une fois, période de vacances maintenant, donc comme vous, j'espère, je vais en profiter, donc il y a des jours où il n'y aura pas de vidéo, il y a des jours où il y aura des vidéos, et puis on vous reprendra dardard à la rentrée, hein, avec une nouvelle manière de programmer tout ce que je fais. Hein. Là, ça va être un peu cool pendant un petit temps, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, et j'espère que, en tout cas, tout se passe bien pour vous, et que vous avez bien profité du 14 juillet. Bye bye, ciao.